Adèle. Bonjour. Entre. Entre. Bonjour. Hein? Assieds-toi, j'ai t'apporté à boire. Non, c'est pas la peine. Merci. Merci. Comment tu as fait pour retrouver chez moi ici là? Oh, je me suis renseignée. C'était pas difficile à retrouver. Ah, d'accord. Mais bon, ben, on dit quoi? Adeline. Adeline. Qu'est-ce qu'il y a? Adeline, qu'est-ce qui se passe? Sylvie est morte. Quoi? Sylvie. Sylvie est morte. Mon Dieu. Yako, ma soeur. Yako. J'ai porté plainte à la police contre Zegbe et elle pour ce qu'ils lui ont fait. Pardon? Sylvie est morte de stress. Si Annick s'était pas mise en complicité avec ce meurtrier pour lui faire ce qu'ils lui ont fait, elle serait encore en vie aujourd'hui. Elle serait vivante, elle serait vivante. Bien. Dans ce cas, qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux qu'elle aille témoigner. Donc je suis venue te voir pour que tu la persuades d'aller d'elle-même à la police pour faire sa déposition. André, bonjour, chef. Ah, bonjour. Asseyez-vous. Vous m'avez convoqué. Oui, je vous ai convoqué. Toi, affaire me concerne. Pardon, me concerne. Mon mari est là. Oui, toi aussi. Et tu lui as dit que j'ai passé la nuit chez ma tante? Il est dans la chambre. Comment tu vas lui expliquer? Qui a mis mes affaires ici? Tandis c'est tonton. Et de quel droit? Narcisse! Narcisse! Pourquoi mes affaires sont dans le salon? Attends. Quand tu veux vraiment jouer à ça avec moi? Je n'ai plus le droit d'aller chez ma tante et y passer la nuit. Pourquoi tu me donnes ton téléphone? J'ai dit pourquoi mes affaires sont dehors. Tanti, tu ferais mieux de prendre le téléphone. Mon chéri, c'est pas ce que tu crois. Chéri, je peux tout t'expliquer. Je peux tout t'expliquer. Non, écoute-moi. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Chéri, écoute-moi. Odette. Oui, tonton. Dans ta chambre. D'abord, tonton. Chéri, chéri, écoute-moi. Écoute-moi, je vais t'expliquer. C'est pas ce que tu crois. Voilà pourquoi je suis là. Adeline, quand ta fille était en prison, je me suis comportée comme une mère. J'ai usé de tout mon poids pour qu'elle sorte de là. Aujourd'hui, à ton tour, tu me demandes à moi, Hortense, de te livrer ma fille. Ah non, pas pour moi, mais pour toi. Pour toi, pour que la justice soit faite. Et Hortense. Plutôt satisfaite à vengeance. Tu veux forcément trouver un coupable. Ma fille n'y est pour rien dans la mort de la tienne. Sinon, prouve-le. Oui, oui, prouve-le. Hortense. Oui. La mort de Sylvie ne va pas rester impunie. Mmh. Crois-moi. Mmh. Sylvie est morte. Comment c'est arrivé? Je n'en sais rien, ma fille. Mais elle te tient pour principal responsable. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Elle est allée porter plainte contre Zébé et toi pour fausse accusation. Bon, c'est Zébé qui a tout orchestré. C'est Zébé qui a tout orchestré. Et comme toi, ton horoscope, c'est mouton, alors tu l'as suivi bêtement comme un animal qu'on envoie à l'abattoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'éducation que ton père et moi t'avons donnée? Et puis, quelle idée même de tomber amoureuse
du mari de sa camarade. Dis-moi. Dis-moi. Maman, tel que tu le dis, les choses paraissent faciles. Mais c'est plus compliqué que ça. Zeboué dégage un magnétisme puissant pour les femmes. C'est plutôt votre légèreté en tant que femme qui lui donne ce magnétisme. Quelle génération de pourriture vous êtes. Aucun respect pour votre corps. Maman, tu vas pas laisser cette dame-là me mettre en prison. Je vous reconnais, vous. Désolée, madame, mais vous n'êtes pas mon genre de femme. Mais vous êtes le père de Mariam. Non. Ici, je suis le fiancé de Annick. Comment ça? Vous êtes sûrement sa tante. Mais je ne comprends pas pourquoi les femmes du troisième âge de cette famille raffolent de moi. Je vous enverrai désolé, madame. Vos avances ne m'intéressent pas du tout. Hein. Messieurs, je suis la mère de Sylvie, la meilleure amie de Mariam. Si vous sortez avec Annick, oui, vous devez aussi savoir qu'elle sort avec Zébé, le petit ami de votre fille. Celui-là même qui l'a mise enceinte et qui l'a tuée. C'est exactement ce qui s'est passé. J'aimais Sylvie et pour rien au monde je l'aurais tuée. Bien au contraire, sa mort m'a terriblement affecté. On attendait même un enfant. Vous comprenez? Oui, je vous comprends. Je vous présente toutes mes condoléances. Mais la mère de Sylvie prétend que le vol dont votre défunte fiancée a été accusée est un coup monté par vous et sa patronne Annick. Interrogez donc Annick. Moi, je lui ai demandé de retirer sa plainte. Vous sortez avec Annick? Regardez-moi bien, madame. J'ai l'air de quelqu'un qui peut aimer une autre femme que Sylvie. Elle était tout pour moi. Du courage, monsieur. Ça va aller. J'en ai fini avec vous. Je vais convoquer Annick. Merci bien, madame. C'est possible d'avoir votre numéro? Oui, j'ai pas de problème. Histoire de vous informer au besoin de l'affaire. Merci, madame. Ah, comme ça fait du bien d'avoir autant de pouvoir sur les femmes. Annick, donne-moi une seule raison pour laquelle je devrais lever le petit doigt pour toi. Parce que je suis ta fille. Tu vois cette dame qui vient de partir? C'est l'exemple de mère parfaite. Elle savait très bien que sa fille avait mal agi en piquant le copain de sa meilleure amie. Mais elle a soutenu jusqu'au bout. Mais toi, au lieu de faire pareil, tu ne fais que me juger et me crier là-dessus. Et comment ça s'est terminé? Dans un casier congelé. Aussi prématurément que tragique. Écoute-moi bien. Un enfant dont la verge ne fait pas partie de son éducation a un avenir voué à l'échec. Il se passe quoi entre toi et Zébé? Tano, je pense que tu devrais rentrer chez toi. Ma fille n'a plus rien à voir avec toi. Hortense, au risque de me répéter, je t'ai déjà dit que tu ne m'intéressais pas comme femme. Moi aussi, je t'ai plusieurs fois dit que tes plaisanteries de mauvais goût ne m'intéressent pas. Tano, ne m'oblige pas à aller parler à ta femme parce que je sais où la trouver. Je sais. Bon, ça va, ça va, ça va. Laisse-nous seuls. Je vais parler à ma fiancée. Maman, s'il te plaît, laisse-nous seuls. Ok, comme tu voudras. Zébé, pourquoi tu envoyais des photos de nous dans mon mari? Ton mari s'est foutu de moi, je lui ai rendu le coup. Et tu t'es servi de moi? Je croyais que tu m'aimais. Tu rigoles? Tu es la femme de mon cousin.
Zigbi, tu as couché avec moi. Tu as gâché mon foyer. Nassis a mis mes affaires dehors. Pourquoi tu as fait ça? Règle ton problème avec ton mari. Je ne veux pas être mêlée à ça. Zigbi, Odette. Odette, sois ici si tu oses m'affronter. Tu dois pouvoir cacher aussi facilement mon foyer. Tu as tout fait pour me mettre en palabre avec mon mari. Mais tu ne perds rien pour attendre. Plutôt mourir que de laisser ma place à une boniche. Le regret, c'est la seule chose que je laissais dans la vie des femmes que je séduisais. Il n'est plus productif. Ça fait 3 mois qu'il ne nous a pas ramené un seul client. Pour quelqu'un qui t'a ramené 900 clients en 9 mois, parce qu'il n'a pas pu te ramener un client en 3 mois, tu vas le renvoyer? Zébé est notre meilleur agent. Il a le plus gros portefeuille client de l'entreprise. Sans lui, cette agence immobilière n'aurait pas le tiers des clients qu'elle possède actuellement. Tu parles d'un portefeuille de 900 clients. 903 pour être plus précise. Des clients qui ne sont que des femmes, tu trouves ça normal? Tu aurais trouvé normal qu'il n'ait été que des hommes. Mais un mélange, s'il se trouve, c'est un charlatan. Non, il a du charisme. Et il sait s'y prendre avec les femmes. Nous y voilà. Tu es sous son charme, n'est-ce pas? Je ne sais même pas ce que vous lui trouvez. Tu es plutôt jaloux. Et la jalousie t'aveugle à tel point que tu veux couler ta propre entreprise. Mais je ne coulerai pas avec toi. Oui, c'est ça. Tu te la couleras plutôt douce avec lui. Zegbe, Zegbe, ça veut dire quoi ça? Hein? Tu veux vraiment savoir la vérité? J'ai l'air de vouloir autre chose. Oui, je sors avec Zegbe. Et c'est bien plus sérieux maintenant que Sylvie est morte. Quoi? Le petit ami de ma fille? Plus maintenant. C'est le mien à présent. Et écoute-moi très bien. Si tu as un peu d'orgueil, tu peux me laisser en paix, s'il te plaît? Et bien sûr que j'en ai. J'ai de l'orgueil. Et j'en ai même à revendre. C'est pour cela que je vais aller casser la gueule à ce minable de... Oh, mais c'est pas vrai. Il ne sera pas viré. Bonjour les filles. Zébé. Madame. Dans mon bureau. Tout de suite. Ok. Oui, prends ça. Dis-moi que tu l'as viré, s'il te plaît. Non, malheureusement. Mon associé s'y est opposé. Elle détient une minorité bloquante. Donc là, cher frère, je ne peux rien. Comment ça tu ne peux rien faire, Jules? C'est moi qui te l'ai proposé il y a de cela 1 an. Et c'est moi qui te demande de le virer. Alors c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que mon associé ne veut pas que je le renvoie. Elle couche avec lui? Je n'en sais rien. Mais ses arguments sont pertinents. Zegbe est notre meilleur agent. On ne peut pas se passer de lui sans risquer de prendre un coup. Je m'en fiche. Vis-le, c'est tout. D'abord, calme-toi. Et dis-moi, pourquoi tu insistes pour que je me sépare de mes meilleurs agents? Marianne! 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 Oui, papa. Je ne veux plus te voir avec Zegbe. Aïe! Comment ça, papa? Je n'ai pas d'autres explications à te donner. Je ne veux plus te voir avec Zegbe, c'est tout. Comment ça, c'est tout? Explique-moi. Il y a peu, tu t'en fichais complètement que je me remette avec lui. Et là, tu en fais toute une crise. Maman, qu'est-ce que tu lui as dit? Ah, mais rien du tout. Laisse ta mère en dehors de ça. Tu m'entends? Zegbe ne doit plus mettre ses pieds dans la famille. Je ne veux pas accepter ce qu'il m'a fait.
C'est vrai que je ne comprends pas le revirement soudain de ton père, mais tu dois l'écouter. Maman, va au-delà de la réaction de ton mari. D'ailleurs, d'où est-ce qu'il vient? Et pourquoi il est si distrait ces derniers temps? C'est ce genre de questions-là que tu devrais te poser. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je suis ta fille, mais j'ai l'impression que j'ai plus d'expérience que toi dans la gestion de la vie de couple. C'est normal, puisque tu es amoureuse du maître de la nacque au sentiment. Ah, ok. C'est qu'il a fait un adepte du côté de ton mari. Suivez tes arrières. Monsieur Zegbe. Oui, boss. Je peux savoir où est-ce que vous allez? Je rentre à la maison. Je peux savoir pourquoi, puisque vous venez à peine d'arriver. Je lui ai donné sa journée. Oui, Yannick. Pourquoi tu ne m'as pas dit que Sylvie est morte? Tu le sais maintenant. Tu n'imagines pas ce que ça représente pour nous deux. On pourra enfin vivre notre relation. C'est vrai, tu as raison. Notre amour a trop souffert de discrétion. Tu ne peux pas savoir comment je suis heureuse, mon amour. Ne quitte pas. Dis-moi, comment est-ce que tu as fait pour mettre cette fille hors jeu? Elle est trop idiote, celle-là. J'ai mis les 200 000 francs dans la caisse. Je suis sortie, je l'ai bien un moment. Et quand elle est partie, je suis revenue et j'ai pris l'argent. Tu es une vraie ambitieuse, toi. Oh, je l'ai fait pour toi, mon amour. Je l'ai fait pour qu'on soit ensemble. Et maintenant qu'elle n'est plus là, on aura l'occasion de vivre à nouveau notre relation. Je suis trop contente. Je te rappelle. C'est toi l'idiote, petite collante. Oh. Oh. Allô, Zegbe. Pardon, monsieur Zegbe. Non, vous pouvez m'appeler Zegbe. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je crois que j'ai la preuve que c'est Annie qui a piégé Sylvie. Un enregistrement. Vous êtes sûr? Je vous l'envoie par WhatsApp. D'accord. Un pouvoir n'est efficace que lorsqu'on sait s'en servir intelligemment. Toutes les filles que je trouvais collantes, je m'en débarrassais d'une façon ou d'une autre. Tonton. N'aie pas peur, je ne vais pas te manger. Tu sais que Larissa ne va plus remettre les pieds dans cette maison, non? Je ne sais pas. Ok, je t'informe. Ce qui signifie que désormais, il n'y a que toi et moi dans cette maison. Mais tonton, tu as dit que tu n'allais pas me manger, non? Je t'ai menti. Tu es couché près de moi et tu penses à un autre. Quel culot!
Je ne pense à personne. Tu tiens vraiment à me cacher tes pensées. Tu ne sais plus à qui tu as affaire. Je suis Terminus. Je sais à qui j'ai affaire, Terminus. Je sais tellement à qui j'ai affaire que je me demande ce que je fais coucher dans ce lit. C'est-à-dire? Il y a 2 ans de cela, j'étais à la recherche d'un homme. Je suis allée voir un guérisseur voyant de l'intention de trouver une solution à mon problème. J'étais loin de m'imaginer que je deviendrais la 4e femme de ce guérisseur voyant. Tu as eu un mari ou pas? Tes vœux ont été exaucés. De quoi tu te plains? Parce que c'est pas du tout ce que je voulais. Depuis 2 ans, je me sens coincée. Dis plutôt que tu t'intéresses à un autre homme. Pour qui tu me prends? Si je m'intéresse à un autre, c'est que le fil d'amour que tu as utilisé pour moi ne fonctionne plus. J'espère que tu ne vas plus le renouveler. Terminus! Les coups de la vie, il y en aura toujours.